Hey hey hey, coucou mes petits culs, bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Lady Challenge. J'espère que ce petit challenge vous a manqué la semaine dernière, puisque nous avons fait comme d'habitude une pause d'une semaine pour laisser la part aux retardataires de rattraper et pouvoir voter. Et pour les indécis aussi, également, de pouvoir voter pour leur héritier préféré. Alors que Catherine Beauvert, madame, se réveille, malheureusement, ce n'est pas elle qui continuera l'aventure avec Perceval. Je sais que vous étiez nombreux à aimer Perceval et à espérer qu'il soit l'héritier de cette génération. Et non. Mais par contre, on ne perd pas en blondeur puisque, mais oui, c'est Althea qui a été élue vraiment à une très très grosse majorité pour être héritière. Et bah, moi, je suis ravie, hein, la petite blonde, l'enfant qu'on n'espérait plus dans cette génération. Eh bien, voilà, son petit air candide, ses grands yeux bleus et sa chevelure blonde d'or vous aura convaincu. Et c'est donc avec elle et Guillaume qui aura un nouveau prénom, hein, parce que je sais que c'est un prénom ancien, mais j'ai envie de changer. Et j'hésite entre Guilhem, Wilhelm, Wilhelm, c'est rigolo ce Guilhem, je sais pas le dire, Wilhelm, c'est sympa. Moi j'aime bien, dites-moi ce que vous en pensez. Et oui Colombe, je sais que tu es triste tous de ne pas avoir été élue. Colombe arrive bien dernière, hein, la dernière du classement. Et voilà, vous la rendez triste. C'est pas grave, ma petite Colombe, on va s'arranger et tu vas pouvoir nous pondre un bébé assez rapidement. Et ça va te faire du bien. Oh, allez les amoureux, c'est pas bien grave. Vous allez rester dans cette belle maison pour élever votre future famille. Et on essaiera de venir vous voir un peu plus régulièrement, parce que j'ai pas forcément le temps d'aller voir les autres frères et sœurs dans les autres générations. Et ouais, j'ai trop de choses à faire à chaque fois. Et puis, bah, c'est parti pour le reste de la vie, quoi. Ma pauvre Adélie. Oh bah oui, hein, c'est un jour compliqué. T'as perdu l'homme de ta vie. Bon, t'as marié une de tes filles. Et puis tu vas pas les perdre, mais juste... voilà, je pense que Colombe va partir, et puis... La semaine prochaine, c'est Althea. Mais elle est là, notre petite gagnante. Elle est là. Elle est pas trop la forme non plus. Althea, tu es l'héritière. Oh, réveille-toi. Ah bah voilà. Ah bah ça y est. Tu dis le mot héritière, elle s'habille. Hein. Elle se dit, bah attendez, quand même, faut que je sois classe. Hein. Que je sois triste, mais classe. Bon, bah, maintenant que Gaspard n'est plus là, ce sera à toi, Adélie, de venir tout récolter. T'occuper des petites plantes. Parce qu'en plus de ça, Isobel n'est plus là non plus. Elle était obsédée avec les plantes, donc... Tu vas récolter le miel et nouer des liens et voilà, enfin tu fais ta vie quoi. Ouh là là, oupsi, oupsa, Adélie a vieilli, mince, c'est vrai qu'elle devait fêter son anniversaire. Oh là là, ça a fait tellement un coup de vieux. Oh non, Adélie est une mamie. Oh la vache. C'est pas comme si on t'aimait pas, mais enfin si, enfin bon, on t'a vu petite, quoi. On t'a vu grandir, on t'a vu t'élever au rang familial, on t'a vu devenir maman. Ton mariage, c'était comme si c'était hier. On t'a vu élever tes enfants, marier tes enfants, perdre ton mari. C'est bizarre. Pendant qu'Althea, notre belle héritière, s'occupe des tâches ménagères, c'est aussi pour sa responsabilité, hein. Si vous vous posez la question concernant le prochain pack d'extension à la campagne, et si je vais l'intégrer, et si le Lord Neddy va s'y passer, en vérité, je pense que oui. Va juste falloir que je trouve une bonne excuse pour pouvoir déménager en cours de génération noble, parce que je pense pas attendre la génération seigneur pour ça. Mais oui, je pense qu'on ira dans la nouvelle map, dans un nouveau quartier, pour profiter de ce nouvel environnement avec Althea et son mari, futur mari. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est qui celui-là? Mais... Oh bah oui. Promis, hein, j'ai pas engagé de jardinier ni de musicien. Merci le jardinage écologique, hein. Mais tu peux te barrer, monsieur. Oui, comme c'est charmant comme petite scène. Oh bah dis donc, Perceval, t'es dégueulasse. Cependant que lui, il est crado sur les toilettes. Et ben elle... Qu'est-ce qu'il fait, quoi? Lui, il faisait son petit caca, quoi. C'est, tout est normal, ici. Ah bah! Oh bah, allez-y, hein! Ah bah, va pisser, écoutez. Vous êtes mariés, vous êtes pas encore venus, mais c'est pas grave. Hein, on partage tout. Eh, mais vous savez,
On peut pas commencer la génération noble comme ça, là. Je suis en train de me dire, il est où? Le Guillaume, il est encore adolescent. La génération noble ne commencera pas tout de suite, tout de suite. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas, lui, en dehors de la map? Mais qu'est-ce... Au revoir, bah... Mais reviens Mais qu'est-ce qu'ils me font? Et elle, elle est où? On vient de la... T'es pas obligé d'aller aussi loin pour larguer une caisse, ma petite colombe. Mais je sais pas pourquoi ils sont partis aussi loin. Allez, rentre à la maison, va. Et voilà. Comment remonter le moral un peu à notre héritière. En la divertissant. Avec ce très super jeu du lama. Ouais, très super. Ouais. Tandis qu'Adélie nous tricote un petit peu. Bon, elle est qu'au niveau 4. Hein. Donc on n'est pas encore prêt à faire des grenouillères pour les enfants d'LTA. Hein. Là, je vous le dis direct. Hein. Allez, Colombe, je sais que tu peux le faire. Tu peux la faire, cette salade. On t'a pas vu souvent au fourneau. Mais là, bon, il n'y a pas besoin de fourneau. Sinon, je suis sûre que tu nous foutrais le feu. Et s'il te plaît, mets pas trop de saleté dans cette salade. Parce que tu vas nourrir la famille avec. Voilà. Mais elle a l'air pas mal. Excellente, en plus. Vous vous souvenez qu'on avait fait ces petites toiles avec les jumelles? C'était cute, hein? Puis on avait fait Perceval enfant boutonneux qui a disparu. Et puis après, bah... Par contre, j'ai pas du tout fait Altea. Ni Isobel. Mais bon, il reste que les jumelles, quoi. Bon, bah, pendant que tous les autres sont encore un peu tristes, Adélie, elle va bien. Elle est bien posée, elle a le feu de cheminée, et puis elle a trop chaud quand même. Alors que les autres sont toujours quand même... un peu triste pour Gaspard, mais bon. Adélie, c'est Adélie. Qui c'est qui... Il est 23h30. Qui c'est qui vient taper? Mais qui êtes-vous, monsieur? Mais on vous connaît pas. Voilà. Encore des gens chelous qui viennent taper à notre porte, quoi. Hep, pas si vite, monsieur Papillon. Ce soir, pour Perceval et Catherine, il va peut-être se passer un truc. Mais s'il se passe un truc, ce sera après qu'il se soit passé un truc avec Colombe, hein, parce qu'à un moment donné, Colombe étant l'année de la fratrie qui reste, en tout cas dans notre maison, l'esprit de Shirley est en train de disparaître. Oh mon dieu, mon esprit est en train de disparaître, les enfants. Attention, attention, ça fait peur. Qu'est-ce que déjà que je suis plus saine d'esprit depuis bien longtemps, alors si mon esprit disparaît, OMG. On va essayer de faire un bébé, bien sûr, avec Colombe, puisque ben, ils sont mariés depuis un certain temps. Ils ont fait un petit peu d'entraînement, il est temps pour elle, Colombe, d'être fécondée par son amoureux pour qu'ils puissent créer leur propre famille de leur côté. Et ouais. Allez, c'est parti. Nubu is coming. Bon, allez, on les laisse s'amuser un petit peu. Allez là, on se réveille en fanfare, les enfants. Catherine, pareil, lève-toi. Ève, lève-toi et danse avec la vie. Ils peuvent pas faire de bébé parce qu'il est trop triste. Zut. Alors que Percy et sa douce vont vont faire crac-crac tout simplement. Lui peut pas, elle peut. Allez, faire crac-crac avec Percival. Enfin, oui, attendez. Je vais faire le gameplay bébé directement, hein, parce que faut passer aux choses sérieuses, les enfants. Va falloir consommer le mariage aussi. Hein. Et c'est sous vos yeux ébahis que Perceval va percer Catherine. Oh, c'est dégueulasse! Qu'est-ce qu'elle est vulgaire, cette Shirley. En tout cas, ça y est, ils font crac-crac pour la toute première fois. C'était temps, quand même, pour eux. Ils attendaient patiemment que Colombe fasse le premier pas. Et oui. Ne vous inquiétez pas, il y aura de la place après pour vous. Et c'est l'automne sur le Lord and Lady. Et notre très jolie Altea, héritière de son état, se réveille encore triste. Eh oui. Triste, mais normalement bientôt jeune adulte. Aïe, aïe, aïe. Elle clignote pas encore, mais ça va pas tarder. Allez, c'est le grand réveil. Tout le monde se lave et va s'affairer. Regardez cette petite flèche, double flèche à la fin. Ça veut dire que Colombe est bien enceinte et que tout bientôt, un petit Nubu viendra compléter la famille. C'est un peu cracrin, mais Altea se met à la cuisine. Eh oui, il faut bien s'y mettre un jour ou l'autre. Non ! Non ! Oh, sérieux ! Il m'énerve à faire de même ça, là. Je t'ai dit non !
Ouh. Eh mais je suis bête. Bah lui il pète par contre. C'est que effectivement Catherine peut être enceinte également parce que. Bah oui. Dans ma tête, il n'y avait que Gaspard qui était parti, donc il restait qu'une place et pas deux. Mais en fait, si, il en reste deux. Oh là là! OMG. Bah je sais pas si elle est enceinte par contre, mais. En tout cas, Colombe, c'est sûr. Ah, le retour des toiles qui servent à rien. Merci Adélie. C'est la sénilité qui te fait dire ça. Allez, tu abandonnes ça. Voilà. Si tu veux, tu peux peindre classique à 50. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Ok, bah c'est confirmé. Catherine est également enceinte. Ah, bah dis donc, double naissance. Je suis bête, je m'y attendais plus. N'importe quoi. Sinon, n'oublie pas que nous sommes dimanche et donc nous devons vendre les productions de la semaine. J'ai tout transvasé dans l'inventaire de notre petite Adélie. Donc c'est parti, on va vendre ça, 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 ça. Nous allons vendre également les fleurs, les petites roches, les tableaux. Et c'est tout. Oui, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Attendez que j'ai pas loupé le dragon et le fruit du dragon. Non, c'est parti. On peut vendre donc. Hop! 5 753. Mes calculs sont faits, donc nous avons un gain de 5 753 auquel on retire évidemment les 30% de la part du Seigneur. La part du Seigneur revient cette semaine à 1 725. Ça fait qu'il nous reste dans notre petit portefeuille 21 056 cipouzes. C'est pas mal, c'est pas mal. On sent la petite richesse qui arrive, quoi, hein? Oh! Isobel, coucou Isobel, comment vas-tu? Et invitée à entrer Isobel, évidemment. Alors, la vie de femme mariée, comment ça se passe? Petite réunion familiale dans l'entrée. Je pense que ce serait pas mal que tout le monde aille discuter dans la salle à manger. Il y a quand même un peu plus de place et tout le monde pourra s'asseoir. Mais dis donc, regardez ça. Il y a deux gâteaux au miel qui ont été croqués, mais il y a quand même les bougies. C'est n'importe quoi. Allez, attendez, je vais quand même regarder. Elle clignote pas encore, elle tient. Mais c'est une blague. Parce que là, il va être l'heure et tout. Tu souffles les bougies, c'est pas bien grave, Althea. On va fêter ton anniversaire légèrement en avance. Mais c'est mieux qu'en pleine nuit ou quoi. Et puis comme ça, c'est aujourd'hui. Voilà, allez, c'est les résultats. Tes votes, c'est les résultats des votes. Et on a envie qu'elles grandissent. Et puis surtout, bah, la semaine prochaine, petite Colombe sera partie. Hein. Et oui. Happy birthday, Althea! Oh là 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 là! La jeune adulterie va commencer. Ah oh, oui! Et elle sera donc, en plus d'être soignée et klepto, sacré programme, elle sera également 1, 2, 2 et 3. Oh, machine à danser comme sa mère! Mais écoutez, les chiens ne font pas des chats, tu peux donc appeler à table dans ce gâteau à moitié mangé. Ah, c'est la fête, c'est cool! Regardez-moi ces morphales, en moins de 2, ils ont bouffé tout le gâteau. Oh là 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 là, je vous jure. Allez, je pense que pour les couples d'amoureux, ça va être crac-crac party là. Allez, hein? De toute façon, ils peuvent pas nous en faire plus d'un chacun, donc. Mais c'est pas grave. Ils ont goûté à la chose, surtout Perceval et Catherine, hein, ils ont attendu un peu aussi, hein, donc c'est parti, ils vont laisser éclater. Oula! Et Laurent, ben, il aime sa petite femme. Cette fois-ci, c'est la bonne. Maintenant, c'est Blanchette qui passe à pas d'heure, mais il est minuit, ma cocotte. Bah oui, mais rentre chez toi. On passera te voir demain, promis. Regardez-moi, c'est ça. C'est deux lits qui s'agitent, c'est deux lits remplis d'amour. Ah! Qu'est-ce qui se passe, Colombe? Tu as des envies pressantes en pleine nuit? Mais non! Elle est enceinte. On ne le savait pas encore, dis donc. Mais nous, on a l'œil bien affûté, voyons. Laurent, mon Dieu, je vais te faire. Incroyable. Et il est content. Et ben voilà! Et elle aussi. Oh, dis donc, t'as un gros bidou, ma petite Catherine. Comment va il va réagir, toi aussi? Bah, ça va, il a l'air content quand même. Nouvelle journée qui s'annonce. Et les premiers réveils, ils se réveillent tous en même temps. C'est assez impressionnant. Ah, et bah écoutez, ça fait faim.
Donc, allons-y, allons-y. Ma Moon, regarde comme mes seins ont grossi. Je suis enceinte, bon sang. Oh mon Dieu, je vais devenir mamie. Incroyable du cul. Au fait, et moi aussi, quoi. Ah, mais quoi, deux en même temps? Mais quel enfer. Heureusement que je les gérerai pas. Regardez-moi ces futurs parents qui fêtent l'arrivée des nouboux avec un petit jus de raisin tout frais, là. Ouais. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que Laurent a dragué Catherine. Voilà, sous les yeux de Colombe. C'était normal. Allez, je pense qu'en parlant de petits-enfants et de famille et tout, on va partir avec Althea et Adélie, et ben voir tout simplement la nouvelle maison de Blanche et sa petite famille. Oh, mais qu'elles sont divines, nos girls. Adélie et Althea sont sublimes, elles sont bien habillées. Il doit faire frais un peu dans la contrée de Glimmerbrook où sont installées les Nourées, c'est-à-dire Blanche, et son mari Philippe, que voici. Il est tout beau, mais il fait genou quand même encore, hein, il fait genou. Et voici leur petit enfant. Oh là là, blond aux yeux bleus. Je sais pas si c'est une fille ou un garçon, je dirais un petit gars. Vu qu'il est en pantalon, qu'on dirait un petit mec. Attention, révélation. Raphaël Nourée, oh c'est trop cute. Enfin bref, et voilà, on va rendre visite à Blanche et à sa famille. Ah oh, mais j'avais pas vu, Blanchette est là également. C'est trop bien, on va remercier Blanche d'être là. Regardez comme elle est belle. Oh, et puis sa petite maison et son petit garçon. Oh, c'est trop cute. Et oui, parce que Blanche, elle était la seule à partir de toute la fratrie. Donc ça fait plaisir d'aller la voir un petit peu. Et puis bah, là où elle habite, ça a l'air vraiment cute et tranquille, surtout. Oh, Adélie et son petit-fils, c'est trop mignon. Voilà, c'est une petite maison que j'ai faite également. Bon, pour le challenge, oui et non, en fait. C'était pour changer des maisons que j'avais déjà faites. Ah oui, puis regardez, j'avais quand même installé le fameux tableau que Gaspard a fait hein, pour le jour de leur mariage. Voilà, il est dans leur petite maisonnée. Allez, c'est la fête ici, hein. On sort les verres et tout, on fait des toasts, d'accord. Très bien. En tout cas, je veux rien dire, mais... Blanche et Philippe, ils ont réussi à avoir premier coup un enfant blond. Hein. Hein, nous, il nous en a fallu quelques-uns d'essais avant. Hein. Ah là là, notre aîné, notre dernière née de cette génération bourgeoise. C'est un plaisir. C'est vrai que cet environnement, il change un petit peu et ça fait plaisir. Il faudra vraiment que je mette en place ça et que j'aille plus souvent voir les frères et sœurs. Bon, Raphaël commence à faire la merde et puis il est 22h40, presque 23h, on va rentrer à la maison. Mais Althea, mais quelle grosse dingo! Elle a volé le tableau de sa sœur! Ou bon alors Laurent va une fois de plus essayer de s'excuser par rapport à la bourde de tout à l'heure. Mais bon, un petit cracra qui va passer par là, on va se réconcilier sur l'oreiller. En tout cas, j'espère. Bon, la réconciliation est en cours, les enfants. Et voilà, sonne déjà la fin de cet épisode avec Adélie, qui est devenue grand-mère. Non pas seulement dans le sang, dans le nom, mais également physiquement. Hein. Et puis, bah, elle va aller se coucher. Moi, je vous remercie de m'avoir regardé pour cet épisode. J'espère en tout cas que les résultats du sondage vous a plu. Et merci bien sûr à tous ceux qui auront voté. Merci énormément parce que ça me montre que vous vous sentez concernés par cette histoire. On se retrouve la semaine prochaine. Colombe et Laurent seront partis. Ils feront des conneries de leur côté s'ils veulent. En tout cas, on retrouvera... Adélie, Perceval, Catherine et Althea. Et on verra peut-être voir si Guillaume emménage dans la maison ou pas. Allez, je vous fais très très gros bisous. À la semaine prochaine. À très bientôt. Ciao, ciao.